exaucé, Guigui Longo, pasteur responsable de l'église Mission évangélique, armée des sanctifiés Luxembourg, a donné sa vie au Seigneur en 1997 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avant qu'il ne vienne au monde, ses parents avaient été privés d'enfants pendant 5 ans. Théologien de formation, en septembre 2001, le Seigneur l'emmena à Paris où il a reçu la vision de bâtir la première église mission évangélique armée des sanctifiés, MEAS. En 2007, MEAS Luxembourg a vu le jour et s'y établit pionnier dans ce pays pour rapporter le réveil. Les grâces prophétiques de guérison et de miracles accompagne son ministère partout où le Seigneur l'emmène. Tout au début de l'église, je me rappelle, j'étais venu en 2005 et j'ai entendu une voix quand on est arrivé à la gare de Luxembourg, une voix qui m'a dit « tu auras une église ici ». Déjà, je n'avais pas aimé les pays parce que c'était trop calme. J'ai entendu cette voix-là, j'ai refusé la voix. J'étais venu accompagner un bien-aimé, un cousin qui était en train de se marier. Et pendant qu'ils étaient en train de faire les cérémonies concernant la dot et tout, moi j'avais à cœur de sortir pour intercéder. Et plus j'ai intercédé dehors, j'ai entendu cette voix-là qui disait « tu auras une église ici ». Là c'était en 2005, au mois d'avril. L'église s'appelle MEAS, la Mission évangélique armée des sanctifiés. C'est vraiment le fruit de la prière, je dirais. J'ai quand même connu pas mal de difficultés pour commencer cette œuvre. Parce que comme tout début, hein, le début n'a jamais été facile. Il n'y a que toi qui peux rassembler les gens qui sont nés dans des zones différentes. Il n'y a que toi qui peux mettre ensemble. J'étais marié en 2004 avec Mariam Lung au mois de novembre. Et elle est venue 5 mois après me rejoindre à Paris. Et bizarrement, quand elle est venue, il y a sa tante qui avait perdu son mari. Et j'entends encore cette voix qui me dit « tu auras une église ici ». Et quand on a fini, elle nous a amené chez elle parce que c'est dans une salle. Elle me dit « on m'a dit que tu es pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin de la prière ». J'étais vraiment au bas de l'échelle. Donc je partais vers la mort. Donc si il m'avait connu peut-être 3 mois ou 4 mois après, j'allais mourir. Je sentais des choses remonter en moi, alors je ne voulais pas parler la langue parce que je me disais si je parle la langue, peut-être qu'elle ne croit pas ces histoires-là, ça peut être une barrière. J'ai prié seulement tranquillement. Dès qu'on a pris la route, Dieu a commencé à me parler que c'est une servante de Dieu et que ce n'est pas elle que tu vas commencer l'église et tout. J'ai refusé. Le Luxembourg souffrait d'une absence de la vraie parole et les véritables visions étaient peu fréquentes. Quand on a trouvé cette salle, ici, là, pour la réunion, ça nous fait 200 mètres carrés et mon bureau fait 50 mètres carrés. Et on a encore l'entrée, là, le hall, qui nous fait à peu près 80 mètres carrés. Ça dit, nous avons tout ça. Ça permet que s'il y a des rendez-vous, les gens peuvent rester là, comme mon bureau, c'est juste là-bas. Donc, le tout, on a 330 mètres carrés par là. On a la capacité d'accueillir 220 personnes dans la salle. Je vivais comme il me semblait bon. J'étais autrefois très, très colérique. Je ne respectais personne. J'avais des maladies incurables. Je partais à l'hôpital, mais on ne voyait rien. Mais j'étais toujours souffrante. Même mes enfants, ils étaient déjà vendus. Même mon mari, je ne le respectais pas. C'était même le dernier à respecter. Des fois, je le giflais. Que je puisse laisser mes enfants orphelins, c'était le but du diable. C'est après que j'ai compris cela. Avant, je ne comprenais pas tout cela. Et je bénis Dieu pour notre Père spirituel qui nous a envoyé. Le téléphone a dérangé mon mari. Il voulait mettre le téléphone qui sonnait tout le temps dehors. Il avait le bébé sur les bras. Il s'est levé, il est sorti dehors. Dans notre couloir, il a le carrelage.
Et à un moment, il n'a pas fait attention et le bébé lui est tombé. Il est tombé sur la tête. L'enfant était, à un moment, ne pleurait même plus, il était parti. J'ai vu, la tête était gonflée, elle était rouge. J'ai pris le bébé, j'ai appelé mon papa. J'ai dit, papa, le bébé est tombé. Il a pris l'enfant, il l'a mis sur son épaule. On a commencé, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. On a commencé à prier ensemble et pendant qu'on a prié, l'enfant s'est calmé, l'enfant est redevenu normal. La tête qui était tout rouge et gonflée est redevenue entièrement normale. Bien-aimé, dans ce monde, il y a des gens qui ne croient pas encore, mais il y a encore des hommes de Dieu qui servent du Dieu en vérité. Je ne suis pas là pour le faire l'éloge par rapport à mon père, mais le Dieu de Méas agit encore au travers de cet homme. Il y a beaucoup de choses qui se passent que je ne comprends pas. Déjà, j'étais une personne, quand je dormais, je partais. Tu peux me prendre, tu viens, quand je dors, tu viens, tu me prends, tu me soulèves, tu m'amènes là où tu veux, je ne veux même pas me réveiller. Je ne vais pas me réveiller, je ne vais rien sentir. Donc quand je dormais, je pouvais dormir, je mets mon réveil par exemple à 6-7 heures. Je vais me réveiller seulement lorsque mon réveil va sonner. Et si mon réveil ne sonne pas, même si tu me réveilles, je ne vais pas me réveiller. J'avais d'autres problèmes de santé, d'autres problèmes spirituels au niveau de mon corps précisément. C'était comme, en fait, on m'avait jeté une sorte. Je sentais très mauvais. Je sentais mauvais. Moi-même, je ne savais pas que je sentais mauvais. Tout le vêtement que je mettais, ça sentait mauvais. Et même quand je me lavais, c'est comme si je provoquais encore la chose. Et je me suis dit, non, trop c'est trop, je dois me convertir. Et je voudrais lui dire vraiment merci. Et il est toujours là comme un père. Moi qui étais autrefois minimisée, abandonnée de tout le monde, aujourd'hui je suis dans la paix. Peut-être tu as des problèmes dans ta vie, peut-être tu es tourmenté par des soucis, par des diverses difficultés, mais il n'est pas encore trop tard. Il y a quelqu'un qui peut te sauver, son nom c'est Jésus-Christ. Si je travaille, il travaille en toi. Il fait pousser la nouvelle peau. Et tout est une autre vaccination. Quand il travaille par toi, on fait la douche des Arbeitet. Abraham obéit à la circoncision. Gehorchte der Beschneidung. Toute sa maison a fait la même chose. Und kann sein ganzes Haus hat das gleiche. Il a servi Dieu. Das heißt, er hat gratifié. J'ai fait une hémorragie. Je suis retournée à l'hôpital. Le médecin n'arrivait pas à voir en gros d'où ça venait l'hémorragie. Il y avait du sang qui coulait. Je perdais la moitié du sang. Ils m'ont dit que pour eux, la seule solution, c'était de m'enlever des trompes, de tout enlever parce qu'il n'y avait pas moyen que je puisse m'en sortir parce qu'ils ne voyaient pas d'où venait le sang. Et on a appelé papa. Il m'a dit, crois en Dieu. C'est comme, il m'a dit, tu vois l'histoire de la femme de sang, tu crois? J'ai dit, oui papa, je crois. Après, il m'a dit, mais moi, je sais qu'il n'y aura rien qui va se passer. Dieu va sortir. Il a prié pour moi. Du coup, il y avait un médecin qui était là qui a dit, écoutez, je ne vois pas du sang qui coule. On attend, on paye 30 minutes, si ça coule, après on va faire l'opération. On a attendu 30 minutes, une heure, il n'y avait rien qui coulait. Et puis, ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne coule pas. D'un coup, ça s'arrête comme ça. Et moi, j'ai dit, c'est mon Dieu qui m'a guéri. Du coup, je n'avais plus un goutte de sang. Mon taux de sang, j'étais à 2%. Je suis sortie de l'hôpital, ils m'ont dit, madame, vous n'allez même pas faire 10 minutes, vous allez mourir. Et lui, il a dit, je vais la prendre, on va partir. J'étais à l'église, il y avait toute l'église qui pleurait et il a prié pour moi. Je suis revenue en vie et on ne m'a pas transfusée. Je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai rien pris, mais au jour d'aujourd'hui, je suis là en vie, mon sang a repris. J'avais un de mes enfants qui avait du mal à marcher. En l'espace, donc il avait 21 mois, il ne marchait pas et mon père spirituel a prié pour lui. Et il s'est mis à marcher, donc ça pour moi c'est le plus grand miracle que Dieu a fait dans ma vie. Moi j'ai mis ma confiance en lui parce que dès que je suis arrivé donc, ici au Luxembourg, en fait ma vie a été chamboulée, elle a changé et plutôt en bien. Je me rappelle encore une fois où j'avais les jambes cassées. Je me suis trébuchée chez moi, j'ai fait les tonneaux de deuxième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Je me suis cassée la jambe. Il a prié, j'étais guérie, donc à l'instant même.
Aujourd'hui, je peux me présenter la tête haute en disant que je suis belle, je suis une femme de valeur, une femme de distinction parce que je vis à côté d'un homme puissant. Alléluia. J'ai rencontré Dieu ici dans cette église, ma vie a changé. J'ai donné souvent la faute à ma femme pour différentes situations de la vie, mais j'ai remarqué que cela venait aussi de moi. C'est moi qui devais changer. Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Il m'a guéri des maladies graves, très graves. J'ai failli mourir à 3 reprises, mais Dieu m'a sauvé. J'ai des enfants avec des problèmes psychomoteurs, mais Dieu est en train de faire de grandes choses dans leur vie. Le fait que je l'ai rencontré, il m'a amené à canaliser certaines choses, à me faire découvrir même certaines qualités que j'ai que je ne pensais même pas avoir. Et je bénis le Seigneur pour l'avoir rencontré dans ma vie. Il y a eu pas mal de choses que j'ai faites pour pouvoir m'en sortir. Premièrement, je suis allée jusqu'à vendre de la drogue. J'étais une grosse orgueilleuse. Avant, je ne connaissais pas ces choses-là de la sorcellerie ou des envoûtements. Je ne connaissais pas ces choses-là, mais je savais que quelque part, il y avait quelque chose qui ne tournait pas en rond en moi. Sans ces dieux-là, sans papa, sans maman, je ne serais pas là aujourd'hui. En fait, Exaucé, c'est un frère à moi. Je viens juste après lui et il n'y a pas un écart énorme. On fréquentait la même école, on était au collège. Et tout ce qu'il faisait, ça rebondissait sur moi. Parce que moi, j'étais sportif, judoka. Lui, quand il taquinait les gens, et au moment de bagarre, c'est moi qui combattais, c'est moi qui tapais les gens. Et moi, j'aimais ça. Donc, taper les gens pour son frère, j'aimais ça. Prophète Guigui. Prophète Guigui, unique dans son genre, parce que l'œuvre de Dieu en lui, nous l'avons découvert dès son âge de 4 ans. L'oncle de son père était prophète. Il avait donné l'instruction de bien prendre soin de cet enfant, car il sera un grand serviteur de Dieu, qui voyagera partout dans le monde pour l'œuvre de Dieu. Mon frère, je me rappelle, en 96, je me rappelle, une fois on dormait dans la nuit, vers 4h du matin comme ça, il pleuvait. Et là où il dormait, il dormait à côté du mur. En fait, le mur a tombé et lui s'est levé. Donc, ça devait tomber sur lui. Il s'est réveillé d'un seul coup. C'était un signe. Il était appelé. Si j'avais pas connu des problèmes à l'église de Paris, sincèrement, j'allais pas être au Luxembourg. Dieu sait faire les choses. J'ai connu des problèmes à Paris et du coup, comme il y avait presque plus de gens à l'église, on était resté peut-être à 20, alors j'avais le temps de pouvoir me déplacer et venir au Luxembourg. C'est à ces temps-là que le ministère même du prophète Rifin est sorti parce que j'étais absent. Je lui confiais des responsabilités, il commençait à agir de l'autre côté là-bas et ça me permettait de pouvoir venir ici. J'ai commencé à venir au Luxembourg depuis décembre 2005 jusqu'au mois de décembre 2006. Je fais une année, il n'y avait pas d'église, je venais pour une personne. Janvier 2007, l'église a commencé. Je continuais à venir. Ça, c'était la deuxième année pour moi. Il n'y avait pas toujours des gens. On était à 4-5 personnes. Jusqu'à fin 2008, c'est-à-dire ça m'a fait 3 ans, je venais pour prêcher 7 personnes, pas plus de 10 personnes. Les fondements à côté là, qui traduisent mes récits. En fait, notre père spirituel, c'est moi qui ai ramené mon frère vers lui. J'avais vu un monsieur propre, comme ça, bien habillé. Il venait faire les chants chez moi. Et il m'a dit, frère, est-ce que je peux t'inviter quelque part demain?
Je lui ai dit, c'est à quelle heure? Il m'a dit, c'est à 10h. Demain dimanche. Mais je lui disais, il n'est pas pasteur. Après, on est parti, il était assis derrière, notre pasteur, il était assis derrière. Quand on a appelé le pasteur, c'est lui qui est passé pour prêcher. J'étais scandalisé. Quand je suis rentré, j'ai ramené 43 personnes. Dans 43 personnes, il y avait le prophète Ézossé. Nous tous, on avait abandonné. On avait laissé notre pasteur. Et Guigui était resté le seul. Nous l'avons vu évoluer dans son œuvre pour Dieu. En grandissant, il n'était pas problématique. Il disait depuis sa jeunesse que s'il baptisait une église, il appellerait l'armée de sanctifiés. C'était son rêve. Elles sont des filles d'exaucées. Là, on est juste en train de visionner quelques photos. Vu que c'est moi qui m'occupe un peu de tout, des photos ainsi que des vidéos, des montages de vidéos, raison pour laquelle, avant de faire toute chose, je dois toujours visionner, regarder quelles photos je peux mettre sur Facebook, quelles photos je ne peux pas mettre sur Facebook. J'ai voulu que Guigui soit médecin et son père voulait qu'il devienne avocat vu qu'il avait déjà une belle élocution. Il le voyait devenir avocat et moi, je trouvais bien qu'il soit médecin. Dès son réveil, il enfilait directement son costume et ses chaussures pendant que moi, je lui demandais d'abord de prendre sa douche. Mais lui, non. Depuis son enfance, il aimait être tiré à quatre épingles. Son goût vestimentaire, il l'a imité de son père à qui il aimait ressembler. J'ai eu beaucoup de combats dans cette nation, beaucoup de combats. J'ai été accusé faussement. On m'a mis dans le journal, magicien et tout. Et sur les choses, tu sais même pas comment c'est sorti. Mais ce qui est merveilleux est que certaines choses qui nous arrivent, Dieu nous les dit d'avance. Dieu m'avait préparé. C'est pour ça que j'aime la prophétie. Des fois, quand Dieu nous parle, quand on prend ça au sérieux, ça nous aide beaucoup. Alors j'ai fait encore une prière à Dieu, j'ai demandé, Seigneur, donne-moi encore un signe clair, que ça c'est l'église que tu veux m'avoir. Alors, j'ai vu la mille et chansons, et j'ai vu le nom de l'église, et j'ai lu Mission évangélique armée des sanctifiés. Et ce jour-là, je suis tombée sur ma chaise. Moi, je suis venue à Dieu. Il y a des choses que je faisais avant, j'allais dans des boîtes de nuit, j'étais footballeur, je pouvais me permettre de faire certaines choses. J'étais dans un club de football, je gagnais bien ma vie, une belle voiture garée dans un parking, mais je déprimais. Et en venant auprès de mon père, sans qu'il prie, sans qu'il m'impose les mains, juste par ses prédications, j'ai pris conscience que si réellement je suis fils de Dieu, il y a des choses que je ne dois plus faire. J'aime quelque chose dans ma vie, c'est la formation. Même s'il y a une personne, il faut commencer à préparer cette personne. Pourquoi ? Parce que lorsque les gens sont formés, quand il y a les vents, les gens sont équilibrés. Parce que c'est vrai, j'aime l'onction du Saint-Esprit, j'aime tout ce qui est esprit, révélation, parole de connaissance prophétique, tout ce qui est puissance et tout, j'aime ça. Mais ça ne fait pas asseoir l'œuvre. Au commencement était la parole. La formation, c'est quelque chose de merveilleux qui fait asseoir les gens. Je dirais, le prophète Riffin, il a pris des notions basiques à Paris, au travers de moi, pardon, péché, salut, croissance spirituelle, ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, il est pasteur, il est dans le ministère. J'étais même chrétien, j'allais même plusieurs fois à l'église, aller prier. Mais je partais à l'église, je n'avais pas confiance aux hommes de Dieu par rapport au témoignage que j'attendais. Mais un jour, Dieu a permis que je vienne à Luxembourg, dans une église qui s'appelle Meas, au travers de cet homme de Dieu qui est maintenant mon père spirituel, le prophète Ézossé Guigui Lungu. J'ai maintenant confiance aux hommes de Dieu au travers de son ministère. Il y a 2 ans passés, il m'a engueulé grave parce qu'on lui avait dit un truc sur moi. Il m'a engueulé. Après une semaine, Dieu lui a dit, pose la question à ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il m'a appelé. Il m'a posé la question. Ah, maître, parce qu'il m'appelle toujours maître, honorable. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Quand je lui ai expliqué, il m'a dit, pardonne-moi. J'étais scandalisé et j'avais des larmes aux yeux. Un homme de Dieu comme ça, qui reconnaît d'avoir fait une faute et il demande pardon. Lorsque les choses, les combats de ma vie étaient arrivés, c'est là où j'ai compris que non, je n'étais pas chrétien. Peut-être tu es dans une église, tu te crois que tu es chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, et les choses n'avancent pas comme tu veux. Comme ta vie est en train de se compliquer, je veux que tu puisses revoir ta vie. Cherche une église où Dieu parle. L'évangéliste Lorian, c'est la première personne que j'ai prêché ici. C'est la même chose. Mon épouse est le fruit aussi de mon travail. C'est-à-dire, après qu'elle soit sortie de son père spirituel, qui est mon père spirituel, parce que j'ai un père spirituel, le révérend dit à ma sœur, que je salue en passant. Et lorsque maintenant on est devenu responsable et leader de l'église, il faut donner un paquet, il faut former les gens. En 2014, je suis tombée enceinte et au bout d'un mois ou deux mois, le médecin m'a conseillé de pouvoir d'avorter parce que j'avais des fibromes qui se développaient dans mon ventre. Et c'est là que j'ai parlé avec papa. J'ai expliqué à papa, il a prié pour moi. Et j'ai demandé au médecin de pouvoir vérifier avant de faire l'intervention. Mais quand il a vérifié, il a vu qu'il n'y avait rien. Le fibrome avait disparu, il n'y avait plus que le bébé. Donc la grossesse s'est développée normalement. J'ai accouché, aujourd'hui mon fils il a 2 ans. Quand je pense à tout ça, je peux que dire merci à Dieu. Merci de m'avoir orientée de la Belgique jusqu'à la France pour pouvoir me ramener au Luxembourg auprès de lui. Dans un ministère, il nous arrive d'avoir des départs des gens parce que peut-être ce n'était pas leur place, parce que peut-être ils ne sont pas contents ou d'accord de certaines choses et chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Mais sauf que les gens avec qui j'ai commencé au début, j'ai ces gens-là jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait 7 ans dans cette église. Il y a des gens qui ont fait... l'église a commencé depuis janvier 2007. Et aujourd'hui, on a 9 ans au sein de cette église. Il y a des gens qui ont fait 9 ans dans cette église. Il y a des gens, depuis qu'ils sont venus, et ils n'ont jamais bougé. Je ne dirais pas qu'on n'a jamais eu des départs. On a eu des départs. Dans les ministères du Seigneur, il y a eu des départs. Je suis en train de mettre en place ce que j'appelle l'école des prophètes. Parce que par la grâce de Dieu, je crois qu'au temps de la Bible, les prophètes avaient des fils de prophètes. Les gens ont une mauvaise manière de voir ces choses. Pourquoi? Parce que nous avions eu la difficulté, moi personnellement, de comprendre le ministère prophétique. Parce que mon père spirituel, il sortait des églises baptistes, des églises protestantes baptistes. Bien qu'il était devenu évangélique, mais ils sont un peu carrés. C'est quelqu'un qui a l'appel prophétique, mais qui était resté un peu dans un fonctionnement pastoral et tout. Et ça fait que, de mon côté, comprendre le ministère prophétique, c'était très, 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 très difficile parce que je n'ai pas vu vraiment des modèles devant moi. C'est-à-dire, c'est par des erreurs que j'ai pu apprendre pas à pas. Je ne dis pas que je suis arrivé, je ne dis pas que j'ai tout compris, non. Le chemin est encore très long. Je ne connais que peu des choses. Le peu que je connais, c'est ce que je transmets au peuple de Dieu. J'étais quelqu'un qui escroquait les gens. Même l'identité de mes enfants, je ne sais pas comment je peux vous dire, j'ai des enfants, ils ont même 4 identités dans d'autres pays, même 5. Les noms de mes enfants. J'aimais tellement l'argent. J'avais même la capacité d'entrer à l'ambassade pour aller escroquer même les gens qui sont là. Parce qu'à l'église, je trouvais ça, c'est normal. Je me disais, je suis chrétienne, pourquoi pas je peux faire ça. Mais quand je suis venue à Meas, c'est au contraire ce que Dieu m'a dit. Et aujourd'hui, je pleure pour ça. C'est comme un lien, une malédiction que moi-même, j'ai mis dans la vie de mes enfants. À cause de l'argent, il a prié pour moi. Il m'a montré comment il faut suivre Dieu en vrai. Pas un faux chrétien, un vrai chrétien. Comment il faut craindre Dieu. Il m'a montré les choses que depuis des années, si je l'avais raconté avant, ma vie peut-être ne va pas finir comme ça. Mais Dieu m'a fait montrer aujourd'hui, à travers maman Myriam, comment respecter un homme, comment il faut respecter ton mari. Ce sont les choses qu'aujourd'hui j'ai pris ça ici à Meas, qu'avant je ne savais pas. Mais mon mari, c'est la première fois, me dit que ma femme, tu as changé. Il a dit, en tout cas, tu as changé. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers son serviteur. J'ai vu sur Casarema, sur Internet,
les prédications du prophète. Et c'est par rapport à ces prédications-là que j'ai pris la décision de venir dans cette église. On a un trajet de 2h40 pour venir et à peu près la même chose pour rentrer, selon le trafic. Mais bon, comme je dis toujours et j'ai dit à plusieurs frères ici, ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu fait pour nous, on ne peut jamais lui rendre autant. Donc je ne peux pas prendre ça comme un obstacle pour ma foi en Christ, quoi. Je suis né avec des difficultés. Je suis né vraiment avec des grandes difficultés, des problèmes graves que on pouvait dire à ma mère d'avorter, mais par la grâce de Dieu, elle a été convaincue de ne pas le faire. On m'appelle un enfant miracle parce que durant la grossesse, j'ai été beaucoup combattu. Et pendant ma naissance, c'était encore grave. Quand j'avais 9 mois, j'ai été opéré dans plusieurs pays différents. On cherchait des médicaments avec ma mère pour me soigner. J'avais des problèmes de nez. Des rhumes m'en écoulaient sans cesse. On cherchait partout qu'est-ce qu'on pouvait faire, mais on n'avait rien, on n'avait aucune solution. Et c'était pas encore ça. À l'âge de 3 ans et demi, j'ai perdu mon père. Je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, j'ai 15 ans, je suis en pleine forme à cause de Dieu. Parce qu'il a ramené son serviteur dans notre famille. Ma mère ne dormait pas pendant 6 mois à cause des choses qui se passaient dans notre vie. Mais aujourd'hui, on est là par la grâce de Dieu. Tu es le premier garçon que j'ai rencontré au Luxembourg. Alors reçois l'onction de premier-né. Reçois l'onction d'intelligence. Donc c'était catastrophique pour moi, mais c'était le moment où Dieu voulait me sauver. Il a envoyé son serviteur sur mon chemin. Moi je suis de la race de Corneille, où Dieu a trouvé grâce au travers de cet homme pour que l'évangile puisse entrer dans sa famille. Pour être membre de l'église de Meas, une fois je dormais, alors j'avais fait une rêve comme si Dieu m'avait appelé et moi je ne comprenais pas cela. Pendant les songes là, c'était que je puisse aller à l'église de Meias, que je sois à côté de l'homme de Dieu. Quand j'étais dans le monde, il y avait des choses que je faisais, il y avait des choses qui m'arrivaient et je ne savais pas. Je croyais que j'avais l'identité, or je n'avais pas l'identité. Autrefois, je pensais que j'avais même la protection sur ma vie, or je n'avais pas la protection. Je faisais des choses, je peux dire, c'était horrible devant le Seigneur. J'ai reçu la délivrance par rapport à des choses qui s'est passées en moi. Ce que vous savez que moi, je vis dans le chantage. Des fois, je me réveille le matin. Ça, c'est vrai. 14 messages. Ça, c'est vrai. Mon papa, je t'aime beaucoup plus que toi, tu m'aimes. Des fois, j'ai 14 messages comme ça. Je dis au Seigneur. Ma vie, c'est le chantage, c'est sur le chantage. Après, ça sale la tête. C'est le problème. C'est Casarema. On est déjà en Dieu. C'est Casarema. Alors, il faut que Casarema dise à leurs intercesseurs. Nous-mêmes, on va prier aussi. Nous, on va prier. Un jour, j'ai dit au Seigneur que là où je m'avais écouté la parole de Dieu, je n'écoute pas la parole de Dieu comme je veux. Je n'écoute pas la parole de Dieu comme je veux. Je ne ressens pas le prédicateur qui m'annonce la parole comme je veux. Je ne ressens pas l'Esprit de Dieu s'animer à moi comme je veux ressentir la parole de Dieu. Après, j'ai dit que je ne veux plus partir. Seigneur, je veux que tu me montres l'endroit. Il faut que je parte écouter ta parole comme j'ai besoin. Un jour, je me suis mis à suivre. J'ai pris mon téléphone. Je suis entré à YouTube. Après, j'ai tapé un peu les vidéos pour voir un peu les pasteurs qui font dans la prédication. Subitement, c'est tombé sur le prophète exaucé. J'ai regardé une vidéo de lui, mais la vidéo était tellement si marquante que j'ai dit que merde, voici même le papa là, il faut que je parte suivre vraiment la prédication parce qu'il a une prédication qui est poignante, qui touche. J'ai pleuré, je n'avais pas personne à côté de moi. Alors j'ai décidé d'ouvrir mon ordinateur. Et je suis tombée sur Facebook et j'ai vu le prophète exaucé qui est sorti de mon ordinateur. On n'était pas amis et c'était pour moi, ça m'a fait bizarre. C'était
quelque chose que j'avais jamais vu. Je devais mettre le code et rentrer dans le Facebook. Mais lui, il est sorti tout de suite. Et je l'ai vu, il était en train de prêcher sur l'appel d'Abraham, qu'il devait quitter la Mésopotamie et aller là où Dieu allait l'indiquer. Et jusqu'à la fin de ce message, j'ai suivi. Et à la fin, il a dit qu'il va prier pour toutes les personnes qui sont malades. Et j'ai mis ma foi, j'ai touché mon ordinateur. À l'instant même, les amygdales ont explosé. Et j'avais des pus qui sortaient, les sons qui sortaient. Tout de suite, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à chercher où se trouve cet homme de Dieu. Ça fait 15 ans comme cuisinière, chef cuisinière, je ne savais pas que je pouvais faire à manger, je pouvais avoir aussi un restaurant en moi. Je n'avais pas de projet, mais à côté de lui, il m'a montré que tu es une femme de valeur, tu es une femme forte. Il m'a montré des choses qui étaient en moi. Et ça m'a fait énormément du bien. Et aujourd'hui, je commence à avoir des projets, je commence à réfléchir autrement. Il commençait à se passer quelque chose de bizarre en moi. Je commençais à être tout le temps malade. Je commençais à avoir quelques boutons sur le visage. Après un jour, je dormais comme ça. Je me suis réveillée. J'avais le visage pourri. Et une fois j'ai dormi, je me suis réveillée avec une paralysie faciale. J'avais une partie du visage qui ne fonctionnait pas. Un œil qui se fermait, pardon, la moitié quand je rigolais. À l'heure d'aujourd'hui, ça m'a même laissé des séquelles parce que, des fois, quand je rigole fort, j'ai un nerf qui s'élève au niveau d'ici. Donc, voilà. Et moi, en fait, ma vie, si je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est le prophète exaucé. J'étais team leader d'une boîte, c'était une boîte d'un Indien, d'un Américain. Et dans cette boîte, on faisait des paiements en ligne, ça veut dire on appelait les gens qui sont en Europe, on se faisait passer pour des personnes qui vivent en Europe. J'avais mon identité d'Européen et tout, chose que je n'étais jamais en Europe. Alors, dans ce travail, j'étais obligé de mentir, j'étais obligé d'escroquer. Et le travail que j'ai fait avait bâti tout un système en moi. J'avais une capacité de convaincre, j'avais une capacité de séduire les gens, de les persuader. C'est-à-dire, si je parle avec toi, j'avais ce pouvoir-là de te convaincre dans tout ce que je disais. Et à côté de mon père, j'ai commencé à faire mes premiers pas, même, je dirais, avec le Seigneur. Et commencer à m'enseigner des choses que j'en avais besoin. Et je commençais à laisser toutes ces choses tout doucement dans ma vie. Et lorsque je le rencontrais, j'ai décidé en ce moment-là de suivre le Seigneur et de tout abandonner. Son père, avant de mourir, l'appela dans sa chambre et le bénit en disant « Tu es un prophète, que Dieu te bénisse et que tes œuvres prospèrent au nom de Jésus. Et moi, je dis qu'il prospère au nom de Jésus. J'ai vu s'accomplir la prophétie donnée par son grand-père, qu'il servirait Dieu et voyagera partout dans le monde. » Là, je suis en train de visualiser une vidéo que j'ai faite il y a deux jours. Là. Je regarde déjà le nombre de vues. Il y a vraiment une place particulière que j'accorde aux médias depuis un certain temps. Avant, je n'étais pas un prédicateur médiatisé. Parce que le temps n'était pas encore là, parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis médiatisé depuis 2010, je crois, depuis 2010. Mais là, ça fait 9 mois depuis que j'ai commencé à travailler avec Casarema. Et j'ai vu que le travail au niveau des médias est en train de prendre de l'envol, c'est-à-dire il y a une accélération vraiment. D'une manière particulière parce que plus on avance avec les médias, plus les professionnels prennent votre travail en main et les choses vont aller aussi autrement. C'est ça que je dirais même aux prédicateurs et à tant d'autres personnes qui veulent aller de l'avant. Pour les médias, c'est
il faut d'abord avoir un esprit d'achèvement, c'est-à-dire commencer et finir. Parce que souvent, on n'a pas de résultats aussitôt qu'on a commencé. Je prends un exemple, j'ai commencé à être dans le média depuis 2010-2011, mais ce n'est que maintenant que je suis en train de voir des résultats palpables, c'est que j'ai commencé. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un prédicateur est médiatisé? C'est-à-dire, le travail quitte le niveau local. Parce que des fois, on prêche à l'église, et on prêche des personnes qu'on connaît, nos enfants spirituels, on se connaît, c'est mon pasteur, c'est mon père spirituel, c'est bien, c'est pas mal. Mais le message, lorsque c'est médiatisé, ça va au-delà maintenant des frontières. Les gens peuvent les suivre, surtout si vous le faites dans un cadre qui est un peu particulier, dans un cadre qui est connu, si je peux dire ça comme ça, le message va plus loin. Il y a ce que moi j'appelle l'équilibre dans le message. Qu'est-ce que tu prêches? Quel est ton message? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme message? Tout ça sont des choses qui nous aident dans les médias de pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire, ton auditoire connaîtra ton style, connaîtra ton message. Et souvent, actuellement, on commence à s'éparpiller beaucoup. Parce qu'il y a tel courant qui est sorti, parce qu'il y a tel vent, il y a quelque chose que les gens prêchent, ça marche bien. Nous devons prêcher la parole de Dieu dans son entièreté. Mais chaque prédicateur a sa particularité. On peut voir cela dans la vie de Jean-Baptiste, il avait sa particularité. C'était de parler de la repentance pour préparer les gens pour la venue du Seigneur. Et je ne pense pas qu'on a toujours un auditoire faible. C'est-à-dire, l'auditoire est mélangé, tout le monde nous suit et les gens ne sont pas bêtes. C'est-à-dire, notre équilibre pourra vraiment impacter le travail que nous sommes en train de faire. C'est bizarre, la météo n'a pas annoncé la pluie, mais il pleut. C'est pour dire que des fois la météo s'est trompée. Nous avons beaucoup de projets concernant l'Église parce que au sein de la mission évangélique Armée des Sanctifiés, nous avons, deux missions en un, je dirais deux en un. Voilà. Et on a la mission déjà de former les disciples au sein de l'Église. La deuxième des choses, c'est des programmes qu'on organise un peu partout dans le monde entier. Ça fait trois ans, c'est depuis 2013 que j'ai commencé à organiser des programmes sur Paris. Je l'ai fait aussi en Belgique, je l'ai fait au Congo. Chaque année, j'ai l'école de, comment dirais-je, la fréquence prophétique au Congo. Je retrouve bien la famille parce que j'ai du monde chez moi. Deux semaines après ma conversion, j'ai commencé à chanter déjà à la chorale parce que le Seigneur avait touché mon pasteur pour me mettre dans les services. Aujourd'hui, je suis pasteur depuis 2000. Ça fait quand même 16 ans depuis que je suis dans le ministère ordonné étant prophète de Dieu. Ça fait quasiment une vingtaine d'années que je suis en Christ sans s'asseoir.